De retour sur ce plateau des 24 heures chrono de l'International, sur le plateau des TV5 Monde. Huitième ville, huitième heure de direct. Une aventure qui continue et qui est magnifique. Je suis aujourd'hui à ce moment précis pour Caracas au Venezuela et nous allons accueillir de suite Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur de France à Caracas, Frédéric Desagneaux, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour et bonjour à vos invités. Bonjour. Oui, alors je profite de ce début d'émission et que la technique soit avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu justement Caracas et votre vision, votre approche de la communauté française à Caracas ? Eh bien, je commencerai par vous dire que la communauté française de Caracas et du Venezuela en général est le reflet de l'histoire des relations humaines entre nos deux pays, des relations anciennes, intenses, denses, puisque dès le XVIIIe siècle, des responsables politiques vénézuéliens, au XIXe également, se sont rendus dans notre pays. C'est une histoire qui marche dans les deux sens. Miranda a participé à la bataille de Valmy, Simon Bolivar s'est rendu à plusieurs reprises dans notre pays, vous savez que c'est le père du Venezuela moderne. Et plus récemment encore, de nombreux artistes vénézuéliens ont résidé, ont créé, ont développé leur art dans notre pays, dans différents domaines. Alors, pour en venir à la communauté française, je vous disais qu'elle était établie ici depuis longtemps. Pour être plus précis, les premiers Français installés au Venezuela l'ont fait dans les années 1830. Et ils venaient de Corse. Et pourquoi est-ce qu'ils venaient ici ? C'est parce qu'ils étaient attirés par les richesses que contient ce pays, les richesses naturelles, et en particulier le café, le cacao, la canne à sucre, bref, des ressources à développer et à commercialiser. C'est comme ça que les premiers Français se sont installés ici. Ils ont continué à le faire tout au long du 19e siècle. Mais naturellement, cette communauté française a subi des transformations, je dirais, à l'image de la transformation de la société vénézuélienne elle-même. Un mot sur les Corses, parce que c'est intéressant de noter que non seulement ils sont encore très soudés, très organisés à travers des associations, mais qu'ils ont donné deux présidents à la République du Venezuela au siècle dernier, notamment l'un d'entre eux qui avait accueilli le président Charles de Gaulle, le général de Gaulle, lors de sa tournée historique en 64 en Amérique latine. Le développement économique du Venezuela a amené de nouvelles catégories de Français à venir dans le pays, des expatriés au sens, je dirais, classique du terme, qui sont venus pour des séjours plus courts. Et il faut savoir que la France est un partenaire historique du développement économique du Venezuela, notamment dans le domaine pétrolier, avec le boom pétrolier des années 70. Alors, cela explique comment est composée notre communauté. Une grande majorité de binationaux, qui sont les descendants des premiers Français installés dans le pays, nous avons plus de deux tiers de binationaux. Puis, des expatriés, c'est-à-dire des actifs qui travaillent dans l'industrie, dans les services. Une communauté plutôt jeune, la moyenne d'âge est de 39 ans, et établie pour les deux tiers à Caracas. Si on parle chiffres, et plus concrètement, je vous dirais qu'au 31 décembre 2012, c'est-à-dire c'est les chiffres les plus récents évidemment que l'on puisse avoir, il y avait 4581 Français inscrits au registre de l'ambassade. D'accord. Ce qui veut dire que la communauté en fait est un peu plus nombreuse puisqu'on évalue à entre 500 et 1000 compatriotes, souvent d'ailleurs aussi binationaux franco-vénézuéliens, qui sont installés dans le pays, qui y vivent de manière permanente, mais qui ne sont pas inscrits chez nous. Donc je dirais au total, on peut compter 5 500 Français au Venezuela, avec un réseau associatif important, évidemment un réseau économique par le biais des implantations des entreprises françaises et un réseau culturel qui sont tout à fait dynamiques, actifs et avec des perspectives intéressantes. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous qui êtes arrivé au Venezuela il y a relativement peu de temps, si mes souvenirs sont bons, en gros 3 mois, quelle est votre impression face à ce pays ? Votre première impression, qui est quand même intéressante pour un homme comme vous qui avait l'habitude de voyager au nom de la France ?
Écoutez, ben justement, pour le représentant de la France, hein, et toute l'équipe qui représente la France à travers l'ambassade, je dirais que les premières impressions sont celles d'un pays passionnant, un pays dynamique, un pays dans lequel le débat politique est vif et dense et parfois aigu. Il y a eu des élections municipales il y a quelques semaines. Un pays également où nous avons des enjeux considérables, notamment en matière économique. Il s'agit de défendre les intérêts des entreprises françaises, il s'agit de promouvoir leur offre, il s'agit de développer notre influence, la renforcer à travers des collaborations scientifiques dans le domaine de la recherche, de la technologie, et puis naturellement veiller aux intérêts et à la situation d'une communauté française dont je vous dresserai le portrait À l'instant. rapide. Qui vit dans un pays, il ne faut pas se le cacher, hein, qui est complexe, qui est parfois compliqué et difficile. Mais si je parle de défis et de perspectives ou de perspectives, d'enjeux, c'est que nous nous appuyons sur un réseau, sur un faisceau de relations dans le domaine de la coopération culturelle et scientifique, dans le domaine commercial et économique, qui est quand même substantiel. Je vous citerai quelques chiffres, hein, je ne veux pas non plus Oui, non, abuser rapidement, oui. de statistiques, mais il y a environ 60 entreprises françaises qui sont établies dans ce pays, qui ont créé et qui produisent plus de 5 000 emplois directs ou indirects. Il y a 4 milliards d'euros d'investissement. Il y a une présence historique dans le secteur pétrolier, dans le secteur des transports, ces entreprises françaises qui ont construit le métro de De Caracas. Caracas, oui. Et quelles que soient les difficultés, il y a des perspectives qui sont ouvertes. Nous Merci, avons monsieur également, juste l'ambassadeur. pour terminer. Vous reprenez la parole quand vous voulez, comme prévu. Il y a pas de problème. La technique est extrêmement bonne, donc il y a pas de souci. Vous revenez avec nous quand vous voulez. Et juste avant de venir sur ce plateau, si vous le permettez, on va aller interviewer Romain Migus, Français installé justement à Caracas, faisant partie des 5 000 Français de l'étranger que nous évoquait l'ambassadeur à l'instant. Un pays à deux vitesses et les inégalités, alors, Romain Migus. Bonjour Paris, ou plutôt bonsoir, un grand bonsoir depuis Caracas, capitale du Venezuela, avec une vue panoramique de cette ville avec notamment les collines, les fameux barrios, bidonvilles et la ville formelle qui est juste en dessous. Donc Caracas, une grande mégalopole, 6 millions d'habitants, une vie assez chère par rapport au salaire minimum qui est donc de 3 500 bolivars. Par exemple, on peut compter une sortie pour le cinéma à 200 bolivars, donc quasiment 8% du salaire minimum. Les produits on va dire de première nécessité, par contre, les produits du panier de la ménagère sont couverts puisque le gouvernement a aussi un plan d'accès à la nourriture principale des Vénézuéliens. Donc il y a un peu un pays à deux vitesses. De retour sur ce plateau des 24 heures chrono de l'international. Alors, j'accueille enfin, j'oserais dire, j'accueille enfin François Meurice. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes journaliste et donc vous dites-nous quelques mots sur votre métier et plus particulièrement votre implication pour le Venezuela. Alors aujourd'hui, je suis rédacteur en chef de Terra Eco, qui est un bimédia sur Internet et sur papier sur le développement durable. Mais j'ai vécu de 2003 à 2007 au Venezuela et j'étais correspondant pigiste là-bas pour différents médias francophones. Et des allers-retours réguliers Et avec des allers-retours voilà. depuis mon retour définitif. On ne quitte pas le Venezuela comme ça. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Julien Rebottier, bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, vous faites des présences récurrentes, j'oserais dire, alors dans une activité totalement différente. Oui, je suis chercheur géographe au CNRS. Je travaille sur des questions de risque, d'environnement. Et je vais au Venezuela depuis 2002, dernier passage en septembre dernier. Et donc, j'y vais fréquemment pour de longs séjours, entre 2 mois et le plus long était d'une année à D'accord. Caracas. Et au départ, une durée assez longue aussi. Oui, un premier jet d'un an environ.
D'accord. Donc on est sur une ville et un pays qu'on vient de décrire. Alors monsieur l'ambassadeur nous l'a décrit avec une vraie histoire de la présence française, on l'a bien compris, une présence relativement importante, 5000 personnes, c'est quand même relativement important. On n'imagine pas forcément qu'on ait une présence française aussi importante quand on parle du Venezuela, mais maintenant dans la vraie vie comment ça se passe, comment vous voyez les choses justement suite à l'intervention de Romain à l'instant, François. D'abord, Romain Migus parle d'une ville à deux vitesses, en quelque sorte, et on ne peut qu'être d'accord. Mais on peut aussi dire que c'est un pays à deux vitesses. De toute façon, ce n'est pas valable que pour Caracas. Oui. Voilà, donc très schématiquement, un petit peu les riches, les pauvres. C'est vraiment une société assez coupée en deux. Et ça se ressent dans la ville. Déjà, bon, c'est peut-être pas à moi de parler de géographie, mais c'est vrai qu'au niveau... visuel et au niveau géographique dans le plan de Caracas, très schématiquement, nous avons à l'est les quartiers les plus aisés, à l'ouest les quartiers plus populaires. Alors, justement, le géographe, que nous dit-il? Eh bien, que le paysage urbain correspond tout à fait à la structure, au profil de cette société-là. On est dans des sociétés latino-américaines historiquement très inégalitaires et dont on retrouve les structures de l'inégalité jusqu'à aujourd'hui. Un mot peut-être sur cette trajectoire de l'inégalité au Venezuela, à Caracas en l'occurrence, c'est qu'on a, à l'image de l'ensemble du continent, une diminution des taux de pauvreté, des taux d'indigence, parfois moins vite que la moyenne régionale, reste. Mm-hmm. En revanche, ce qui est marquant au Venezuela, c'est la diminution des indicateurs d'inégalité. Et on a un travail, il était question du panier de la ménagère qui était assuré par des politiques publiques, on a un travail des pouvoirs publics dans ce domaine-là qui fait qu'il y a une meilleure répartition de la richesse. Voilà. Donc, il se retrouve sur les produits de première nécessité, sur certains produits de consommation, pas sur le cinéma en l'occurrence, où ça reste. Non, mais un écrasement de certaines inégalités, soyons quand même fort prudents. Alors justement, pour passer sur un sujet très complémentaire à ce qu'on vient d'évoquer, et entre autres sur la répartition des fameux quartiers, l'insécurité à Caracas, on va retourner voir Romain Migus. Qu'en est-il? En ce qui concerne l'insécurité, le Venezuela est un pays avec une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation qui s'établit sur des chiffres. Ça, c'est évident. C'est un des pays qui a le taux d'homicide le plus haut. Un des pays avec les taux d'homicide les plus hauts du monde. Non, je crois que c'est le troisième exactement, ou le quatrième. Il n'empêche, les homicides ne sont pas l'insécurité. Et l'insécurité n'est pas le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité est très 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 développé au Venezuela avec une grande, très très grande parano, donc due aussi à la médiatisation à outrance de faits divers absolument scabreux, absolument horribles. Donc voilà, donc évidemment il y a toute une connaissance aussi des zones, du terrain. Évidemment, si on va se balader à 2h du matin dans un bidonville qu'on ne connaît pas, il y a de fortes chances pour qu'on soit plus prédisposé à se faire voler. Mais il n'empêche que dans les coins, on va dire, ou les zones résidentielles de Caracas que l'on connaît, c'est quand même assez calme. De retour sur ce plateau. Alors, justement, réagissons à notre ami Romain sur l'insécurité. Comment vous voyez les choses? Alors, on en avait un peu échangé juste avant l'émission. Julien, comment vous avez vécu ces choses-là et comment vous préhendez ces choses-là à ce moment? Quelle est votre préhension des choses, pardon? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu une expérience parfois problématique avec des épisodes, des anecdotes qui nous sont arrivées à tous à Caracas, comme dans d'autres grandes villes d'Amérique latine, peut-être un peu plus à Caracas, c'est vrai, les chiffres sont là, c'est sûr, mais j'aimerais souligner un point, c'est que la distribution des faits de criminalité ou des homicides à Caracas ne correspond pas au sentiment d'insécurité, à la peur que peut inspirer l'insécurité. C'est-à-dire que la distribution des crimes et des délits, elle reprend une géographie sociale, les pauvres, et une géographie fonctionnelle de la ville, là où il y a du monde, là où on se transporte, là où on travaille. Donc ces deux endroits-là marquent mécaniquement les choses, et la peur de l'insécurité, elle colle beaucoup plus à une géographie sociale de la ville qui oppose l'Est
à l'ouest. Donc les quartiers dangereux dont on se méfie, stigmatisant, stigmatisé, en fonction du point de vue où on se place, ça reprend beaucoup plus cette société-là ségrégée que les faits et la distribution des faits, qu'il faut connaître néanmoins. Et concrètement, François, il vous est arrivé des petites choses, modestement, mais... Oui, très modestement, puisque ce que je disais dans la préparation de l'émission, moi j'étais peut-être un contre-exemple en étant resté un peu plus de 4 ans au Venezuela et en ayant à subir qu'un vol, somme toute mineur, de téléphone portable, une nuit. Voilà, on peut dire que quelqu'un qui reste 4 ans à Caracas, normalement, il devrait lui arriver un petit peu plus qu'un vol de portable en 4 ans. Mais concrètement, on fait quoi pour vivre correctement à Caracas et être suffisamment prudent pour qu'il nous arrive rien? Parce que manifestement, vous allez bien, messieurs. Tout va bien. Tout va bien. Dans ce cas-là, dans le cas d'un problème comme a eu François, que faut-il faire? Très simplement, les réflexes, on va dire, de bon sens. Ne pas sortir avec des signes de richesse manifestes, apparents, autour des poignets, autour du cou, des appareils photo, des choses voyantes, tâcher de se fondre, évidemment. Du bon sens, ne pas se promener la nuit dans un quartier qu'on ne connaît pas. Ce que disait Romain, évidemment. Et oui, il s'avère que, de toute façon, si vous êtes jeune, garçon, plutôt à la peau noire, sombre, que vous habitez dans l'Ouest, vous avez bien plus de chances d'avoir des problèmes que si vous êtes comme nous, malheureusement, mais... C'est un fait. François, une réalité, une concrète? Ah oui, tout à fait, une vraie réalité autour de ça. Et puis encore d'autres petits conseils. Alors c'est vrai qu'on le voit souvent sur le site du ministère des Affaires étrangères, dans les guides de tourisme, le sac à dos devant, ce genre de choses. Quand on se promène dans Caracas, ça c'est une réalité et c'est quelque chose qu'on intègre très vite. Voilà, on regarde à gauche, on regarde à droite. On transpire pas le matin en sortant de chez soi, de peur d'être agressé à chaque instant. Alors, de Caracas. C'est une prudence. Il faut savoir qu'on vit dans un pays où la sécurité n'est pas la même que chez nous. Voilà, exactement. Il faut être prudent. Les chiffres ne sont pas très bons et ça ne sert à rien de dire qu'ils n'existent pas. Voilà, très bien. Voilà. Alors justement, on va aller voir Simon Pelé-Reich pour savoir quelle est l'ambiance générale dans la ville et une approche de la vie culturelle sur Caracas. Caracas, c'est une ville très compliquée. Donc c'est une ville avec beaucoup d'insécurité. C'est aussi une ville très polluée, parce que, bon, évidemment, l'essence ne coûtant à peu près rien, les gens sont tout le temps en voiture, laissent tout le temps tourner le moteur. Donc tous les Vénézuéliens qui habitent en périphérie de Caracas, enfin dans Caracas, mais dans les quartiers périphériques, comme ce serait Montreuil par exemple, ou Seine-Saint-Denis, ou que ce soit, se lèvent à 4h du matin pour éviter les embouteillages, et ils rentrent le soir à 10h du soir chez eux, toujours à cause des embouteillages. C'est un des problèmes. Ensuite, Caracas, bon, voilà, c'est pas une ville très très belle. Heureusement, on peut monter sur la Villa, qui est une petite, qui est une grande montagne qui domine Caracas. On peut y monter en téléphérique. On a une vue magnifique sur toute la ville de Caracas et de l'autre côté sur la mer caribéenne. Donc voilà, vivre à Caracas, c'est pas la panacée, évidemment, mais on trouve quelques avantages. Il y a une vie culturelle un peu développée, il y a quelques théâtres, quelques restaurants sympas. En journée, toujours, les théâtres, bon, voilà, c'est pareil, il faut y aller en voiture pour éviter les problèmes de sécurité. Bien, donc une vie culturelle très modeste, somme toute, mais il y a des choses à faire. Oui, il y a quelque chose à faire. Du moment qu'on aime la bière glacée, le rhum et si possible un peu la salsa, tout de suite ça va beaucoup mieux. Si on est rétif à ces trois éléments, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Non, je plaisante un peu, mais voilà, il y a une vie culturelle modeste qui se développe un petit peu, qui n'est pas formidable. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement, Julien, à Caracas? À Caracas, oui. Bon, on est effectivement dans... Il n'y a pas un gros héritage culturel dans cette ville-là, mais il y a quelques endroits de la ville qui ont été récupérés par les pouvoirs publics. Je pense autour de la Plaza Bolívar, le centre historique, le quartier La Pastora, qui présente un intérêt patrimonial assez intéressant, où on peut se balader, où c'est récupéré, en ce moment réhabilité. Sabana Grande, un boulevard commercial qui est occupé par le commerce ambulant et l'économie informelle, et qui est aussi récupéré, donc où on peut se balader, où il y a de l'art de rue... Bon voilà, il y a des choses, la Cinémathèque Nationale aussi, Bellas Artes, où on a là pour le coup une séance de cinéma à quelques centimes d'euros. Alors c'est pas le cinéma commercial à plusieurs centaines de bolivars. C'est sûr que dans ces endroits-là, en plus, donc, comme Julien disait, on peut aller se promener un petit peu dans ces endroits récupérés. C'est la ville un peu plus faite pour les piétons, ce qui n'est pas le cas peut-être d'autres endroits de Caracas. En ce moment, la circulation. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez intervenir. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie.
Oui, merci. Juste en complément de ce que disent vos invités, je voulais signaler que la France hein, contribue naturellement aussi à la vie culturelle vénézuélienne, à Caracas et en province, avec des événements qui sont organisés par nous souvent, même très souvent, en partenariat avec des acteurs ou des institutions du pays. Alors évidemment, on fait la fête de la musique, on a un festival du film français, 80 000. 90 000 même, je crois, l'année dernière, spectateurs sont venus assister aux projections. Il y a des alliances françaises qui proposent également des activités culturelles au-delà des cours de français. Elles sont présentes dans 10 villes du pays. Et puis, il faut mentionner également ce que fait le lycée français pour les jeunes vénézuéliens et les jeunes français, puisqu'il y a 1400 élèves au total qui sont des différentes nationalités, mais majoritairement vénézuéliens, et qui bénéficient naturellement des activités pédagogiques et artistiques que organise l'établissement. Merci, merci Monsieur l'Ambassadeur. Vous intervenez encore une fois quand vous voulez. Et justement, on va retourner voir Simon Pelérèche sur la partie soins au Venezuela et à Caracas plus particulièrement. Alors le système de soins au Venezuela est double, il est dual, c'est-à-dire qu'il y a un système de soins pour les riches, un système de soins pour les pauvres. Dans mon cas, comme je suis plutôt dans cette position-là, j'utilise beaucoup les CDI, c'est un centre de diagnostic intégral, c'est des dispensaires avec des médecins cubains. Il y a actuellement au Venezuela à peu près entre 20 000 et 30 000 médecins cubains, alors ça dépend des années, ça évolue pas mal, à son climax, enfin, au maximum il y a eu 40 000 médecins cubains, c'est une politique d'État. Donc quand on va dans ces centres de diagnostic intégral, qui sont un petit peu partout, surtout dans les quartiers pauvres, c'est gratuit, on ne vous demande pas votre identité, on ne vous demande rien, c'est assez rapide. Les médecins sont bons pour ce qui est des tâches premières. Par exemple, moi je suis allé me faire une placasse, une radiographie, et ça s'est très bien déroulé, en une demi-heure, clac, c'était fini, gratuit et très simple. Par contre, quand il vous arrive un gros problème, il faut aller plutôt dans des cliniques, surtout pour des étrangers qui ont l'habitude d'un système de soins pas tant parce que les médecins vénézuéliens sont mauvais, sinon parce que dans les hôpitaux publics, il y a eu vraiment un gros problème de financement et il manque de moyens techniques, technologiques. Il y a des queues énormes dans les urgences et c'est vrai que c'est très compliqué l'hospitalisation publique hein, quand il faut faire des opérations, des choses comme ça. Donc, tous les Français vont dans des cliniques privées quand il arrive quelque chose de grave, quoi. Et il faut avoir une très bonne assurance. Dans l'assurance, la Caisse des Français étrangers, c'est très bien. Très bien. Alors justement, pour revenir sur les soins, l'un comme l'autre, comment un point de vue vis-à-vis de ce que vient de nous dire Simon ? Oui, c'est que ce fait, il faisait référence à la mission Barrio Adentro, qui amenait les services de santé dans des coins de la ville qui parfois n'avaient pas vu de médecin depuis des dizaines d'années. Et ça change vraiment la vie des gens. En 2 ans de ces missions-là, vous avez mécaniquement une diminution de la mortalité infantile, par exemple 15%. Donc ça, c'est le jour et la nuit. Et tout le monde peut en profiter. Alors, si vous avez un gros problème, effectivement, prenez une bonne assurance parce que le service privé est très cher. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois, même dans des arrondissements de Caracas tenus où le maire est de l'opposition, donc a priori qui dit du mal de ces missions-là, parfois avec le temps, comme il a bien compris que ça marchait et que la population réagissait très bien, parfois il y a des espèces de succès d'années de ce genre de système qui ont vu le jour. Oui. Alors, pour juste avant que vous nous quittiez, mon cher Julien, comment vous avez vécu justement votre introduction, si je peux me permettre, dans ce paysage et comment ça s'est passé avec les gens sur place et comment ça se passe au quotidien avec les Vénézuéliens. Pas de problème, pas de souci, c'est des gens bien. C'est des gens bien. C'est difficile de ne pas tomber non plus dans la caricature d'un portrait. Mais les gens que j'ai rencontrés étaient plutôt d'un contact assez facile, très accueillant, avec peut-être un caractère caribéen, à la différence de Mérida, cette ville andine où les gens sont un peu plus taiseux. Mais en tout cas, l'accueil était très chaleureux. De bons endroits, on m'a fait découvrir de bons endroits. Je pense au Mani, un lieu de danse très connu pour la salsa, ou de bonnes tables, le bar basque, la Candelaria. Et au niveau professionnel, et ça nous permettra de conclure ce point, vos collaborations professionnellement avec les chercheurs sur place, puisque vous, c'est plus sur cet aspect-là, mais aussi avec les habitants. Alors, c'est assez inégal. Le Venezuela était une terre d'accueil d'intellectuels et de chercheurs
d'Amérique latine durant la période des régimes militaires. Et aujourd'hui, le système universitaire et de recherche est aussi hétérogène. Donc, ça se passe plutôt sur un rapport de personnes. Et on trouve de très bons collègues avec qui on maintient des contacts au-delà des années. Ça se passe très bien. Ouais. Julien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on va mettre une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international chez TV5 Monde, Caracas, Venezuela, 8e ville des 24 heures de 2014. Et j'accueille sur ce plateau Carlos Quenan. Carlos Quenan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à d'économie, à Paris-Sorbonne, quelqu'un qui connaissait bien le Venezuela et qui connaissait bien l'économie du Venezuela, mais je vous laisse vous présenter. Oui, ben je suis effectivement professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et de l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Je suis aussi les pays émergents au service de la recherche économique de la Banque d'investissement Natixis et je suis vice-président de l'Institut des Amériques. Et effectivement, j'ai eu à travailler sur l'économie vénézuélienne, et un pays que je connais, le Venezuela, bien parce que j'ai vécu là il y a déjà quelques années et fait des études justement à l'université. Et j'entretiens des relations assez régulières avec des chercheurs, avec des instances internationales comme le Système économique latino-américain ou la CAF qui sont installées à la ville de Caracas. Quelle est votre vision de l'économie ? On a beaucoup parlé de la vie sur place, alors vous auriez pu nous en dire plein de choses, mais on va plus se concentrer sur l'économie. Comment vous voyez les choses ? Alors, on a une petite vision un peu caricaturale du Venezuela aujourd'hui. Comment vous pouvez nous présenter économiquement le Venezuela ? Le Venezuela est, d'un point de vue structurel, disons, est une économie très singulière en Amérique latine, puisque c'est une économie grande, disons, parmi les 5, 6, 7, ça dépend de la façon de mesurer, les plus importantes de la région. C'est un pays aussi d'une taille importante, une trentaine de millions d'habitants. On a parlé de Caracas, une ville de 6 millions, donc une des grandes métropoles. Mais parmi ces pays grands et moyens, je dirais, de la région latino-américaine, c'est, comment dirais-je, celui qui est le plus monoexportateur, le plus spécialisé dans un secteur et une activité concrète, le pétrole. Et le pétrole, d'ailleurs, le produit lié au pétrole, le produit pétrolier, comme on dit, représente aujourd'hui plus de 90% des exportations totales. C'est d'ailleurs une spécialisation qui s'est accentuée au cours des dernières années. Le Venezuela, à un moment donné, il y a 15, 20, 30 ans, était à 75-80% des exportations du pétrole. Donc, premier élément très important, le pétrole est crucial. L'économie a été... Tourne autour du pétrole. Depuis le début de l'exploitation commerciale du pétrole, en 1917, au Venezuela, et bien, progressivement, le pétrole s'est installé au centre, ce qui a donné un rôle très important à l'État dans l'économie. Certes, disons, la période récente, ce rôle-là s'est accentué avec une orientation plus dirigiste, disons, plus étatiste, disons, du gouvernement du président Chavez et puis l'actuel également.
Mais déjà depuis longtemps, disons, le Venezuela était fortement organisé à travers le prélèvement que l'État faisait de la rente pétrolière. Oui. C'est dans des modalités diverses qui ont évolué selon le temps. Au début, dans les années 1920, disons, c'était des compagnies pétrolières, disons, qui prenaient l'essentiel. L'État était peu présent, mais c'est là. Il y a un inversement de tendance maintenant. Voilà, un inversement de tendance. On est passé par une période où c'était 50-50, etc., jusqu'à la nationalisation de l'activité pétrolière, déjà dans les années 70. Et d'autre part, disons, cet État-là donc, a fortement fonctionné lié aux recettes pétrolières. Encore aujourd'hui, 50% des recettes fiscales viennent du secteur pétrolier, qui représente, comme je l'ai déjà dit, plus de 90% des recettes, des exportations. Et on va juste du PIB. On va juste aller interviewer Simon Pelerech sur la notion de main-d'œuvre et sur la partie main-d'œuvre vénézuélienne. Simon, à vous. Bon, alors, il est difficile de trouver de la manœuvre expérimentée au Venezuela, à Caracas du moins. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises locales aiment bien. C'est-à-dire, si vous êtes français, vous n'avez aucune compétence, vous allez y aller. Rien que le fait que vous soyez français, c'est bon, vous allez pouvoir trouver un emploi normalement. Je ne vais pas avancer. Et ensuite, elles vont chercher des emplois, des profils expérimentés européens ou américains, en considérant que les études là-bas sont meilleures qu'au Venezuela. De retour sur le plateau, alors on parlait d'économie du pétrole, on vient de voir la partie accueil des Français, mais d'autres secteurs d'activité pour l'entrepreneur français en dehors du marchand de biscuits qu'on pourrait connaître de notre enfance et avec un grand chapeau, autre chose comme vision des choses? À travers ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le pétrole et un rôle très important de l'État, et qui a été fondamental pour l'organisation et la construction des infrastructures du pays depuis le début du XXe siècle. Je dirais que, du point de vue de l'entrepreneur, notamment français, disons, il y a sans doute l'activité pétrolière et énergétique en général, parce que c'est un pays très important, non seulement les premières réserves prouvées de pétrole, mais aussi un grand producteur de gaz et d'autres ressources liées, minières oui, également. Oui. Et toutes les ressources naturelles. Voilà, un pays d'une grande biodiversité, etc. Mais le secteur pétrolier est fondamental, et effectivement, c'est ça qui structure le système. Ont été présentes là. Et après, tout ce qui a trait aux travaux publics, aux infrastructures, est très important, justement, du fait de ce rôle de l'État. Donc, les grands contrats, on a parlé de la présence française dans les secteurs, n'est-ce pas, du métro de Caracas. Mais il y a beaucoup à faire aussi dans les nouvelles infrastructures à développer, parce qu'il y a un retard important du Venezuela à ce niveau-là pour relier l'ensemble du territoire national, ou dans un autre domaine, disons, qui prend de l'importance au cours de ces dernières années, l'assainissement des eaux, par exemple, du fleuve Guaire. Tout ce qui concerne l'infrastructure du pays. Exactement, là c'est très important. Une intervention, François, parce que je vois François qui valide toutes les choses. Je valide absolument tous ces éléments. On pourrait, alors c'est évidemment beaucoup plus anecdotique en termes de pourcentage, on pourrait parler également du potentiel, plus que de la réalité, mais du potentiel touristique du Venezuela. C'est quand même un pays magnifique, un pays que parfois on vend dans les guides comme un résumé de l'Amérique latine. C'est vrai qu'on a un littoral sur la mer des Caraïbes qui est gigantesque. Quand on voit que donc il y a des choses à faire sur le tourisme qui peuvent potentiellement se développer. C'est pas forcément très simple, mais oui, il y a un potentiel. Juste une seconde, après j'ai une petite page de pub et l'ambassadeur qui veut s'exprimer. Justement, un bémol sur ça, qui est certes c'est une réalité, mais comme c'est un pays qui a été trop axé sur le pétrole, il a délaissé d'autres activités, pour des raisons d'ailleurs économiques évidentes, disons que ça suffisait largement, et puis une monnaie qui a été souvent surévaluée et facilitait aussi les importations, etc. Donc il y a une difficulté pour développer ces activités-là, qui semble évidente, disons qu'on peut les développer, mais La structure n'est pas prête à mettre en place. Par exemple, le fait qu'il n'y a pas une tradition, comme dans d'autres pays de la Caraïbe, en termes d'industrie touristique, alors qu'en République dominicaine, par exemple, ça a été toujours central. Merci, Carlos. Une petite page de pub et on retrouve Monsieur l'ambassadeur juste après la page de pub. À tout de suite.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, Caracas en direct, 8e ville des 24 heures. Et nous retrouvons en direct Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous vouliez intervenir. Oui, c'était pour remettre un petit peu dans le contexte bilatéral franco-vénézuélien, hein, les éléments qui ont été développés au cours du débat qui a précédé la pause publicitaire. Pour vous dire que le commerce entre les deux pays s'élève à 800 millions d'euros. Que les entreprises françaises, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont essentiellement présentes dans le secteur des hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, mais aussi les services qui sont liés à ce secteur, dans le domaine de l'électricité, la génération d'électricité, la transmission d'électricité, les transports, on l'a vu avec le métro, mais aussi le domaine des biens de consommation et des produits agroalimentaires. Et on parlait tout à l'heure du secteur de la santé. Il faut savoir que le poste des médicaments, des produits pharmaceutiques, est un des postes les plus importants des exportations françaises vers le Venezuela. C'est presque un tiers du total de nos exportations qui s'élève à 500 millions d'euros cette année. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et ça me permet de conclure, je ne conclue pas l'émission, mais avec vous. Et je vous remercie de votre participation et de vos interventions toujours enrichissantes. Alors, François, pour conclure cette émission, vous diriez quoi pour Caracas et pour un entrepreneur ou un expatrié qui voudrait aller au Venezuela et en Caracas en particulier? Qu'il y aille, c'est sûr qu'il y a un côté de défi, challenge quand on va à Caracas, mais peut-être qu'il vaut le coup. Qui vaut le coup. Carlos, alors vous, sur la partie économie, même question. Disons que le Venezuela est un pays, comme on l'a dit, avec grand potentiel, avec des grands problèmes macroéconomiques actuels, avec une inflation élevée, avec une monnaie surévaluée et un marché d'échange parallèle qui est vraiment montre une grande distorsion, qui vont devoir être corrigés d'une manière ou d'une autre, me semble-t-il, dans les mois, dans les années à venir, mais qui, du point de vue de ce potentiel qu'on a évoqué, est très intéressant et très important, aussi bien pour les producteurs nationaux que pour les investisseurs ou les producteurs, par exemple, français. Par exemple, il y a un secteur très intéressant, très important que l'on peut développer, qui est celui des produits de beauté, par exemple, mm-hmm. avec une classe moyenne qui monte, qui est importante, qui était toujours importante, mais qui le reste, ou, comme on l'a évoqué déjà, dans les secteurs des infrastructures. Il y a des choses à faire au Venezuela. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Je remercie aussi Julien Robotier qui avait participé à la première partie de cette émission. Alors, pour notre part, sur les 24 heures chrono de l'International, nous allons partir à Québec dans quelques instants. Et comme diraient certains de nos amis nord-américains, tabernacle, allons à Québec. Merci, à tout de suite.